smoothie, bubble tea pour tout le monde. Tournée de Rocky, les amis. Vite, essaie de m'attraper. Ouais, je vais t'avoir, je t'ai déjà eu plein de fois. Oui, mais t'as pas réussi. Ah, touché. Ah, mais ça va. Ah oui, c'est vrai, mais c'était tout près, quoi. Vite, 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 essaie de m'attraper. 3, 2, 1. Oh, oh. Yes. Dommage. Oh oui, dommage. J'ai failli t'avoir, c'était vraiment un sac, quoi. Un grand sac, quand même, hein. Ouais. Bon, on recommence, je suis trop chaud, là. Ouais, grave, j'adore jouer à tout ce que j'ai à la cantine. Oh, oh non, déjà, t'entends. Oh. Allez, vite. Vite, on retourne au studio. Attends-moi. Les amigos, c'est déjà l'heure du colis mystère. Vous allez voir, les amigos, le colis du jour, il est juste incroyable. Mais ouais, j'avoue, on a vraiment tapé très très haut. Attention, Rocky, donne pas trop d'indications aux amigos. Oh oui, c'est vrai, t'as raison. On reste focus sur les 3 indices. C'est parti. Loli, c'est à toi pour l'indice sonore. Septante-huitième étage. 78e, waouh, mais c'est vraiment haut, ça. Et deuxième indice, écoutez bien l'énigme. Elle est un peu Rocky style aujourd'hui. Chatouille étoile. Chatouille étoile. Ouais. Vraiment bizarre ton indice. J'espère qu'il aidera les amigos. Et puis, troisième indice, le C dans le scan. Ouais, une image bien délirose de l'objet mystère. Oh oui, d'accord. Bon, il est très bizarre, l'objet du jour. NDR, c'est du gros n'importe quoi aujourd'hui. Alors, les amigos, ces 3 indices vous ont aidé? Vous êtes prêts pour le reveal? 3, 2, 1, on l'ouvre! Alors, les amigos, prêts à découvrir le colis du jour? Restez bien avec nous jusqu'au bout. Mmh. Vous le savez bien, à la fin de l'épisode, on découvrira qui sera notre amigo du jour. Et aujourd'hui, ce sera peut-être toi. Ce serait trop bien, non? Bon, vas-y, Lily, ouvre le colis. Ta-daam! Des maquettes de gratte-ciel hyper stylées! Et les gratte-ciel, c'est le thème du jour. Le premier indice, il était facile. C'était la voix d'un ascenseur qui s'arrête très très haut, au 78e étage. Oui, et l'énigme, c'était chatouille étoile, parce que ça ressemble à gratte-ciel. Oui, oh. Chatouille, gratte et ciel étoile. Ouais, j'avoue. C'est bien trouvé, hein. Je suis trop content du thème, parce que perso, les gratte-ciel, je trouve ça waouh. Oh ouais, moi aussi. La définition d'un gratte-ciel, c'est un bâtiment particulièrement haut par rapport à sa surface au sol. Oui, une tour qui file vers le ciel, quoi, en mode... Oui, mais attention, la tour Eiffel, par exemple, elle est super haute, mais ce n'est pas un gratte-ciel, c'est une tour d'observation. Pour s'appeler gratte-ciel, il faut avoir plein d'étages, de bureaux ou d'appartements. Alors, comme on est des pros et qu'on a bien bossé le sujet, on a cherché pour vous quels étaient les gratte-ciels les plus hauts du monde. Et vous allez voir, c'est carrément dingue. D'abord, le plus haut gratte-ciel de Belgique. Bon, c'est pas dingue, hein. C'est la tour du Midi. Elle est à Bruxelles et fait 150 mètres de haut. C'est quand même super haut, hein. Mais moins que le plus haut gratte-ciel d'Europe, le Lacta Center. C'est à Saint-Pétersbourg, en Russie. Il fait 462 mètres. Mais c'est rien à côté du plus haut building au monde. Il fait 828 mètres. Et c'est le Burj Khalifa. Il se trouve aux Émirats Arabes Unis. Waouh, je me demande bien ce que ça fait d'être là-haut. Oh, mais oui, on peut évidemment monter dans la tour. Il y a un pont d'observation au 124e étage et un autre au 148e. Mais beaucoup de gens qui ont vu la tour trouvent que c'est du sol qu'elle est la plus impressionnante. Mmh. Et d'ailleurs, elle sert souvent de décor pour des projections de lumière incroyables. Oh. Ça, c'était pour le nouvel an. Trop stylé, non? Mais ouais, oh my god, comment on doit se sentir minuscule à côté du Burj Khalifa. À mon avis, y a pas moyen de faire une tour plus haute, quoi. Il y a énormément de projets de gratte-ciel très spectaculaires et beaucoup plus hauts qui sont en cours. Ah bon? Tu nous en montres, Loli? J'ai enregistré la demande. Recherche en cours. Oh, mais trop bien! Franchement, Loli, c'est juste... La base! Ok, on est prêt. Je suis sûre que Loli va nous envoyer du lourd. Alors, Loli, c'est quoi tes infos sur les nouvelles constructions? Là, Jeddah Tower, en Arabie Saoudite, est une tour en construction. Elle atteindra plus de 1000 mètres en 2025. What? 1000 mètres? Mais c'est un kilomètre, ça! C'est un truc de malade! C'est comme d'ici à la pizzeria de Luigi! Il y a aussi le projet du Big Bend. C'est à New York. Cela veut dire la grande courbe. Ah oui,
sûrement entendu parler. C'est juste dingo. Cela deviendra la plus haute tour de New York, mais aussi la plus longue au monde avec 1200 mètres. Sa forme, c'est un grand U. Oh, mais tellement stylé! Je vous avais dit que les gratte-ciels, c'était d'office. Waouh! C'est vrai, il y a tellement de chantiers en cours. Chantier? Attends, t'as dit chantier? Bah oui, pourquoi? Mais ça m'a fait penser au chantier de la RTBF à Bruxelles. Vous êtes peut-être pas au courant, les amigos, mais à la RTBF, il y a des travaux de partout. On va avoir un nouveau bâtiment, des nouveaux jardins. Mais si ça se trouve, ils ont aussi prévu de faire des gratte-ciels. Il faut absolument que j'aille checker ça. Je reviens, Lily. Attends, Rocky. Trop tard. Il est déjà parti. Ça y est, j'y suis. Non mais regardez-moi ce chantier de malade. Pour imaginer tout ça, il fallait un vrai pro de la construction, un génie créatif, bref, il fallait quelqu'un comme moi, quoi. Regardez toutes ces vitres, et puis la courbure du bâtiment là-bas, c'est juste waouh. Bon allez, je vais donner quelques instructions. Ouais, c'est bien. Allez-y, oui, descendez, c'est ça, super, super les gars, super. Bon, alors, je vais voir par là ce qu'ils font. Oh, je le crois pas, je leur avais demandé d'enlever cette benne. Elle est en plein milieu d'entrée, là. Ah, il faudra qu'ils posent l'isolant, là. Ici, vous avez toutes les dalles de faux plancher. Eh, hey, salut Michel, ça va? Tu penseras à poser le faux plancher après, d'accord? Merci. Ok, c'est super là-haut. Ils travaillent sur la ventilation, les amigos. Super, continuez comme ça, ça marche. Oh, regardez ça, les amigos. C'est énorme. Et juste là, à côté de l'escalier, il va y avoir une statue de moi. Elle tombera tip-top sous la verrière. Oh, ça va être magnifique, j'ai trop hâte. Hé, hey, salut, ça roule. Et je peux te filer un coup de main? Avec ça, non. Quoi? Pourquoi pas? Elle est super, ma pelle. C'est une pelle, c'est pas un trouel. Oh, je comprends rien, moi. J'ai ramené ma pelle exprès, apparemment ça sert à rien. Le secret d'un bon chantier, c'est l'ambiance, la team, que tout le monde travaille dans un bel esprit ensemble, quoi. Et bon, pour ça, bah, c'est un peu ma spécialité, quoi, l'ambiance. Regardez. Et voilà, c'est la tournée de Rocky. Grenadine, smoothie, bubble tea pour tout le monde. Tournée de Rocky, les amis. Eh oh, c'est la tournée de Rocky. Regardez ça, les amigos, j'ai même fait une petite déco et tout. Comme ça, au moment où le bâtiment est terminé, eh ben on est déjà prêt pour la fête d'inauguration, c'est pas trop cool ça? Malin, non? Appelez-moi le cerveau. Lily, tu viens? Bah non, reviens-toi plutôt. Tu sais bien que Mediapark, c'est un projet qui va finir en 2025, donc on a largement le temps. Il y aura pas de gratte-ciel, mais ce sera comme une petite ville avec des commerces, des écoles, des crèches. Ah ouais, et il y aura même mon bureau au dernier étage avec une piscine et une salle de sieste. Wow. C'est bon, ça va être trop stylé. J'ai donné plein de super idées et conseils sur le chantier. Merci, Ki. Merci, Rocky. De rien. Tu me partages un peu, s'il te plaît? Je crois que c'est fini, désolé. Regarde Loli comme elle est shoot avec son petit casque. Ça va, Rocky? Je me sens pas bien. Attends. Ne me dis pas que t'as bu tous les smoothies et bubble tea qui restaient de la petite fiesta. Ah mais non, enfin, c'est pas mon genre. C'est juste que je suis tombée sur des images incroyables sur YouTube. Ah ouais? C'est les vraies images de l'époque de nos grands-parents ou arrière-grands-parents. C'est à New York et ça montre les gens qui construisaient l'Empire State Building, un des gratte-ciels les plus connus au monde. Eh ben, tu sais pas quoi? Ils marchaient comme ça, au calme, sur les poutres, sans protection. Ils se faisaient des petites pauses dans le vide. Un sandwich en plein ciel, t'imagines? Mais oui, ce sont des images incroyables. Incroyable. Mais pourquoi tu te sens mal? Mais ça me donne le vertige. Évidemment. Et vous les amigos, des gratte-ciels comme ça, vous en avez déjà vu? Oh, regardez, on a un amigo qui nous a envoyé une méga top vidéo du haut d'un gratte-ciel. Wow, vous avez vu Rocky, je suis tout en haut, c'est trop bien, on a une trop belle vue. Vous pouvez aussi nous en dessiner des dingos comme vous voulez. Et puis, vous pouvez nous envoyer des messages ou des photos. Mm-hmm. Et vous serez peut-être notre amigo du jour comme Thibaut. Oh. T'as vu Rocky les muscles que tu as? Ouais, mon slip. Avec des cœurs, trop cool, je valide, c'est la classe ça. Merci Thibaut. C'est bientôt la fin les amigos, mais n'oubliez pas, vous pouvez nous revoir sur Ovio Kids. Et maintenant, c'est l'heure de... La Corée de Rocky et Lily. Oh là là, je crois que je vais juste te regarder aujourd'hui. Oh. Ok, d'accord. Prête pour le tu préfères? Toujours. Alors, tu préfères
vie, avoir une tête de vache ou ne plus pouvoir dire autre chose que me. Attends, tu veux dire que à la place de ma tête là, j'ai une tête de vache ou alors je garde la même tête mais je parle en me? Ouais, c'est ça. Moi je dis avoir une tête de vache, elles ont un look trop stylé. Ah ouais, oh non, moi je choisis par les vaches, je trouve ça beaucoup plus fun. Ah ouais. Me.